Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Je te braque même pour du toc. Puisque la vie n'est remplie que de tabac, tel que ces profs qui avant d'avoir des preuves me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, par accompagné d'eux, armé d'eux, et me voilà, me voilà. Je guette ma proie près du distributeur. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Viens un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les confuses, c'est le rythme. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement, les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en GAV. Les inspecteurs essaient en vain de me faire cracher le morceau. Utilise la menace pour que je craque, balance mes pacos. Mais pas question, les vrais numbo ne balancent pas. Alors je ferme ma gueule, j'assume. Et je reste froid devant les insultes répétées des policiers, me rappelant soudainement qu'ici je ne suis qu'un étranger. Obligé, on passe auto, empreinte, photo, empreinte. Traité en cafri mafieux, j'ai en moi monté la crainte. L'Algérien d'à côté voudrait seulement fumer, mais à force d'être insulté, il voudrait même se suicider. Il rentre à lui dans la cellule, le tabac sa mort. Ce fils de pute m'a sali, dit un keuf à qui je souhaite la mort. À qui le tour, d'être à moi ce jour. J'ai senti la patate, mais crois-moi, regarde-moi, je suis pas Rodney King. De plus, je n'ai commis qu'un petit délit, 48 heures qu'on me garde ici. Sûr, putain, je pète un plomb. Plus, si crois que je vais donner des noms. S'ils savaient qu'ils perdraient beaucoup moins de temps, me suçant la bite. C'est dit. Maintenant tu sais qu'où j'habite. Le 94-310, avec nous y'a pas de pisse. Sais-tu ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard? Braquage en ton gris. Et j'en rigole. Dollars, sera peut-être chez moi la question se pose. Quand toute la misère dans le monde est illusoire, je te rappelle qu'on a pressé ma voix les poutres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? Et sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Je te rappelle, quand toute la misère dans le monde est illusoire, et qu'on a pressé ma voix les poutres au parloir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Et sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Fois, six fois plus. La misère dans le pour monde une poignée de dollars, connard. Et qu'on a passé à voir les nôtres au parloir. Écoute, regarde, Rick pour une poignée de dollars, les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bise, braquage en temps de crise. Espèce de connard, de leur colère, accuse tu le vas hériter. Écoute. Vaut mieux un petit chez soi qu'un cran chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on veut un cran chez nous, chez les autres. Ma t'observe pour un simple regard. Les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Écoute, jeune étranger, tes parents ont servi de main d'œuvre pour reconstruire la France. Et désormais elle l'œuvre dans un autre sens. On sait de toi, elle s'en balance, elle a plus besoin de toi. Donc forcément elle brise tes chances et cela t'aide ton enfance. Tu danses entre stupéfiant, violence et les coups de balance. Tu considères être retombé par une expérience. Et le chétan ricane dans l'ombre car il mène la danse. Je le savais mais j'ai foncé, la tête baissée, pas le temps de penser. Tu t'as retrouvé avec l'envie de tout défoncer. Me demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander à Chirac ce qu'il ferait pour conserver le pouvoir. Chercher à impressionner personne. D'ailleurs, je causerais d'autres choses, je ferais flipper plus d'une personne. Je parle de ça et à l'époque, évidemment, j'étais qu'un môme. J'étais pas parti en couille, je voulais juste être autonome. Autonome, tu vois ce que ne je veux dire. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre. La fin et les moyens, rien d'inédit, je vais pas te l'apprendre. Je remercie Dieu si aujourd'hui tu as la chance de m'entendre. Sois cédé, alors j'aurais peut-être pu t'agresser tout. J'ai lutté et je continue pour éviter la prison. J'ai mal pour ceux qu'ils ont eu. L'État n'a pas eu ma raison. Les gens sont victimes du sort. Sur le chemin, trop de désillusions. Parler de leur destin ne peut se faire avec dérision. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars, les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bise, braquage en temps de crise. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les autres au bas? Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Tu seras peut-être trop tard quand tu le seras, connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les autres au parloir? Écoute.
regard pour une poignée de dollars. Les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. On deal, on pisse, on braque en temps de crise. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Écoute, je fais tu pour une poignée de dollars. Deal, pisse, braquage en temps de crise. Fais-tu pour une poignée de dollars? Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu fais pour une poignée de dollars? Deal, peace, braquage en temps de crise. Mais qu'est-ce qu'on ferait pour une poignée de dollars? Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Écoute, je te braque même pour du toc.